reprend la suite pour ceux qui sont encore là. Alors là, on a une descente là, on va repérer. Là, il y a une couleur très très claire ici que je vais essayer déjà de mettre. Voilà. Ce sera limite du blanc hein, de toute façon. Là, on a la zone à ce niveau-là avec du orange. Je fais des traits comme ça. Ça va jusqu'en bas quasiment. Voilà. Ensuite, je reprends toujours mon lavande. Donc, on est avec le 10-26. Superpose. Voilà. J'appuie pas, je fais des traits. Là, je viens également sur mon noir lissé. Voilà. Je vais jusqu'à l'arbre puisque de toute façon il y a une zone un peu plus foncée, donc c'est pas grave qu'elle soit en dessous, elle sera recouverte facilement. Donc là je vais remettre un peu plus pour suivre le mouvement. Voilà, ça fait un peu ça. Voilà, après c'est l'herbe. Je reprends le 10-54 pour foncer un peu là, cette partie-là, donc toujours en faisant des traits. Voilà. Et je vais commencer un petit peu peut-être à... Alors là, oups, là, il y a un peu de... Alors, je vais essayer de blender. Voilà. On va commencer un petit peu. Donc là, j'essaye d'étaler les couleurs. S'il y a des zones de blanc qu'on a ratées, ben on le rattrapera au Posca. Voilà. Là, je salis. Je suis les traits comme ça.
Voilà le principe. Et je remets du lavande. Donc là, je vais mettre déjà du Posca. Ça fait un trait. Et je prends le blanc pour essayer d'estomper, sachant que là on a la zone un peu plus claire. Et là j'essaye d'estomper comme pour un dégradé en fait, hein. Voilà. Donc on va prendre le plus foncé, on va essayer de se caler sur du noir plutôt. Alors. Il était moins foncé le truc, hein. Enfin moins large, je veux dire. Là pour le coup. Déjà faire la roue comme ça. Ça sera fait. C'est plus large le dessin alors que la roue n'apparaît pas plus large, donc je vais faire attention quand même. Donc, je suis toujours avec mon lavande hein, parce que je trouve que le lavande ça a l'air d'être la couleur à peu près représentée avec du gris. Un peu de blanc. En mettre tout autour. Voilà, voir. Ça c'est du détail, on verra plus tard. Bon bah voilà hein, la pluie commence déjà à pas mal
grande tournure. Donc là, alors, mis un peu de là, comme ça. Là, j'ai plus. Voilà. Là, j'utilise le 10-54 pour venir foncer un peu plus. Le truc n'était pas si large. Bon, c'est pas grave. Je reprends mon lavande, le 10-26. Je remets un peu là. Je viens. Je remets. Alors, voilà, donc ensuite je vais remettre un peu de Posca, l'histoire de. Là où il y avait le. Je viendrai mettre du jaune là, par-dessus. Voilà. Donc là, je l'ai laissé un peu parce qu'il y en a. Là. Puis là, on est pas trop mal. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais passer le Posca sur la démarcation en fait. Pour pas être embêté quand je vais faire l'herbe. Voilà. Pareil pour là.
Voilà, comme ça, il n'y a pas de démarcation. Et le crayon de couleur viendra se superposer dessus, hein, directement. Voilà, donc pour la première partie, on va dire, de vidéo, là c'est un petit peu moins long. On a fait là, ah, je vais rajouter un peu de voilà, gris foncé, c'est pas du noir là. Je mets par petites touches. Je vais remettre un peu de mon 943 par un petit peu de touche. Je vais remettre un petit jaune là, tout léger. Donc là, c'est le 10.03. Voilà, je rajoute un petit peu comme ça. Et de la lavande là. Alors, j'ai peut-être plutôt blendé avec du blanc pour éclaircir. Et si ça éclaircit pas, je viendrai mettre du Posca. Là, je reblende du blanc sur mon Posca, comme ça au moins ça fait un peu plus naturel. Et si je veux un petit peu plus d'intensité, je fais des petits points par endroit. Voilà. Je vais reprendre mon 10.02. Ben là, ça me paraît pas trop mal. J'avais pas mon 10.33 tout à l'heure. Je sais pas ce que j'en ai fait. Non. Bon, ben je sais pas. On va reprendre le 943, c'est pas grave. Voilà.